De nos jours, il y a un très large choix de tatouages, tellement de styles différents. Comment la définir? C'est un vaste sujet, vu qu'il y en a plusieurs, les cultures tatouent. Il y a plusieurs manières de se faire tatouer, il y a plusieurs manières d'être tatoueur, donc c'est un peu dur de définir la culture. La musique influence beaucoup l'art du tatouage, comme les arts appliqués, la photographie. Ça met en lumière tout ce qui fait partie de la culture underground. Avant, les tatoueurs, c'était des rockers. Aujourd'hui, c'est des dessinateurs, des graphistes, des peintres. Voilà, on vient au tatouage un peu moins par la rue et un peu plus par le domaine artistique. C'est naturel pour eux de se marquer pour revendiquer ce qui les intéresse, et le tatouage, c'est le meilleur moyen de le faire. Maintenant, le tatouage est en train de se répandre un peu plus dans la culture. Ça devient de plus en plus acceptable. On peut même pas dire que le tatouage est aujourd'hui complètement établi dans notre société. C'est plus très choquant d'être tatoué. Ça fait 30 ans que j'entends dire que le tatouage n'est plus réservé aux taulards et aux bandits et que ça se démocratise. Tout le monde a les tatouages, ça fait plus peur à personne. On peut vraiment pas stigmatiser le tatouage dans aucune culture. Il y en a chez ceux qui écoutent de la techno, il y en a chez les rappeurs, il y en a chez ceux qui vont voir Motorhead. Il y en a chez ceux qui écoutent du rockabilly. C'est vraiment, ça touche la même clientèle que le boulanger, quoi. Tout le monde achète du pain. C'est vraiment en train de se généraliser. Du coup, ça change aussi la culture, même dans le milieu du tatouage. Chaque culture a ses propres designs. Du coup, il en existe de plus en plus. Et nous devons nous adapter à notre temps. Pour devenir marginal avec un tatouage, il va vraiment falloir aller chercher des idées assez fortes, des idées artistiques qui nous ressemblent. Moi, quand j'ai commencé, il y a presque 30 ans, il y a peut-être 40 tatoueurs en France. Aujourd'hui, il y en a peut-être bien 4000 qui sont établis avec pignon sur rue. Donc les tendances, voilà, c'est pareil, elles ont été multipliées par 100 et les styles aussi différents. C'est un des seuls trucs où il y a vraiment des écoles artistiques comme ça n'existe plus dans la peinture. À l'époque, quand il y avait un style, une école de peinture, comme le fauvisme, le cubisme, l'impressionnisme, en général, c'était quelques peintres qui habitaient dans le même village ou qui fréquentaient les mêmes bistrots. Il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'Internet. Donc tous ces peintres qui faisaient partie de la même école se fréquentaient entre eux et c'était un microcosme. Aujourd'hui, il y a des tatoueurs de New York qui sont copiés au Brésil et en Europe, et puis il y a des tatoueurs d'Europe qui sont copiés à New York et au Brésil. Et c'est vice-versa pour chaque culture, chaque tatoueur, chaque technique. Il y a un milliard de raisons de se faire tatouer. On ne vient pas chercher une chose. On peut se faire tatouer par amour, on peut se faire tatouer parce qu'on a perdu quelqu'un, par souci d'esthétique. Moi, j'ai vu des gens qui se font tatouer juste, des gens qui n'y seraient jamais venus, ils ont juste flashé sur le travail d'un artiste, comme des gens qui ne seraient jamais venus à la peinture et qui tout d'un coup se mettent à acheter un tableau. Il y a une telle progression, les tatouages sont de plus en plus beaux. C'est les tatoueurs qui ont évolué, les techniques, c'est plus ou moins les mêmes. Il y a des améliorations dans la qualité des encres et dans leurs composants, mais à part ça, voilà, les machines, c'est les mêmes depuis plus de 100 ans. Les aiguilles aussi, au lieu de les souder nous-mêmes, maintenant, on les achète toutes faites en Chine. Mais elles sont pas mieux qu'avant, quoi. Elles sont juste toutes prêtes. C'est vrai qu'un tatouage sur le visage, on les pratique rarement nous dans les studios, à part certains de nos collègues, c'est carrément un coup de ciseau dans votre vie sociale. Votre visage fait tellement partie entière de votre identité. Les tatouages sur les mains, c'est quelque chose d'assez choquant. Les gens aiment pouvoir montrer leurs tatouages et aiment aussi avoir la possibilité de les cacher, ne pas être emprisonné. On met un t-shirt, on met un bermuda, tout ce qui dépasse pas, ça va être les parties les plus tatouées. Les figures incontournables du tatouage, il y en a tellement aujourd'hui. Moi, je peux parler de celles de mon époque, comme des Philippe Leu, des Paul Bousse. Des gens qui sont de véritables idoles pour moi, comme Philippe Leu.
qui est un légendaire tatoueur qui a été cité, surcité, qui est un tatoueur qui nous vient de Suisse. Des Jack Rudy, des Guy Hutchinson. On a Mike Davis, qui est quelqu'un qui nous vient de San Francisco, et c'est un peintre incroyable déjà. Bah, ils sont tous là au Mondial du Tatouage, il y en a déjà 280 là aujourd'hui. Et c'est 280 pointures qui sont des leaders dans leur style et dans leur technique.